Eh bien bonjour à tous, chers galaxiens, chers galaxiennes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Twin Valley, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, quatrième niveau de ce DLC Allemagne, nous sommes partis avec le niveau du mur de Berlin, et oui, c'est juste super cool. Alors regardez, construire au moins 125 sections de voies, mettre en circulation au moins 8 trains supplémentaires et détruire pour au moins 80 000 $ d'objets. Nous sommes partis. Alors juste, je reviens, je mets en pause et je reviens sur un commentaire que quelqu'un a tant de réflexion. Tu as raison, merci Steam de me donner un succès. Allez, donc en tout cas, je tenais à revenir juste sur un commentaire qui avait été fait justement à l'épisode d'avant, il y a quelqu'un qui a mis que ce jeu était trop simple et que ça pouvait être, en fait qu'un enfant de CP pouvait très bien réussir les niveaux. Non, c'est compliqué comme jeu, c'est pas évident, et je t'invite, parce qu'apparemment tu y as pas joué, je t'invite à y jouer avant de dire ça, parce que franchement, c'est un jeu qui est pas évident du tout, alors vraiment pas. À regarder, on dirait pas, mais je peux t'assurer que quand c'est toi qui dois réfléchir, c'est pas évident, et quand il faut avoir les bons réflexes. Allez, on y va, c'est parti. Donc, comment on va s'y prendre? Parce que là, c'est la première fois que je vais le niveau, les amis. Alors, regardez, donc on peut faire comme ça, admettons, faudrait de façon relier, voilà, le central, ça c'est sûr. Et on doit également détruire pour 80 000 d'objets, je crois que c'est un truc optionnel, mais bon, ça va être compliqué parce que là, le gros immeuble, il coûte cher quand même. Ah ouais, il coûte cher celui-là. Alors, on va tenter de faire un truc central éventuellement. Hop, comme ça. Style. Allez, on va tenter un truc comme ça. Là, on va le refaire partir là. Je tente un truc, hein, vraiment. C'est pas mal. Bon, attention. Alors, pas de commentaires sur la forme du truc, hein, s'il vous plaît. Chaque fois, c'est comme ça, putain. Allez, boum. Je fais une ligne droite, donc ça, au moins, ça me permet d'envoyer de la rouge à la jaune. C'est parfait. On a déjà supprimé déjà pas mal de bâtiments qui nous a coûté assez cher. Ensuite, on continue avec les rails. On va amener... Alors là, attendez. Juste, on va essayer d'être un peu tactique. Là, on veut envoyer le bleu, donc de la jaune jusqu'à la bleue. Donc, nous allons d'abord mettre la gare à la bleue. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Je pense que c'est logique, hein. Donc, par contre, on va être obligé de... Ouais, de supprimer une baraque. C'est pas grave. Et donc voilà, là on peut relier. Là ce serait bon. Par contre il nous reste plus que 10 000 $, mon dieu. Ok, bah écoutez, on va y aller. C'est parti, on va envoyer la bleue dès que possible, dès qu'il y a les rails. Allez, j'envoie. Ça va avoir le temps d'y aller, je pense. Vite les rails, construisez-vous. Oh c'est chaud. C'est bon, ça passe au final. J'ai commencé à avoir un peu peur, je vous avoue. Allez, c'est bon, on va y aller donc avec le train bleu déjà pour commencer. Il nous reste 10 000 $, donc ça va. Je laisse quand même un petit peu d'écart parce que vous le savez ou pas, vraiment, quand on est, j'ai envie de dire, vers les 1 000, 2 000, 3 000 $, c'est un peu light parce que justement après, faut faire attention aux taxes annuelles qui arrivent et c'est moins 3 000 à chaque fois. Donc faisons attention. Allez, le jaune. On va l'envoyer ici directement. Ensuite on aura une gare orange évidemment à relier. Vous en faites pas, j'attends que celui-là arrive. 8 800 $, 8 700, c'est génial. Allez là, il est un petit peu, il voit un petit peu moins d'argent. Mais vu que c'est plus rapide, eh ben c'est pas mal du tout. Allez, je vais éviter de remettre des trains en circulation. Vu qu'à mon avis ça va être un peu compliqué vraiment de réussir ce niveau. Il a pas l'air évident du tout, la forme est un peu différente. Vas-y, on va envoyer le rouge. C'est parti les gars, et on va en profiter. On a 15 000 $, on va en profiter pour relier cette gare là évidemment. Alors comment est-ce qu'on va la relier? On va la relier comme ça je pense. Ouais, à mon avis, on va la relier comme ceci. Voilà, beaucoup de formes un petit peu circulaires, hein, je pense qu'on peut le dire. Et on relie comme ça, comme ce qu'on a fait là-bas. Et bien, au final, regardez, c'est identique à ce qu'on a fait là-bas, c'est marrant quand même. Allez, et bien parfait, écoutez. Ça, c'est un bon signe. En général, quand on est du côté droit, pareil que le côté gauche, ça veut dire qu'on a fait un bon tracé. Oh mon dieu, déjà une gare grise. Oh là là. Donc, c'est pour la peau, en tout cas, le train en direction de la gare rouge, c'est tout bon. Bah écoutez, je pense qu'on va attendre avant de construire le truc pour la gare grise. De toute façon, il n'y a rien pour la gare grise. Ah bah si, voilà, j'avais pas vu. Il y a effectivement le truc pour la gare grise. Vous savez quoi, on va le faire partir. Allez, on va le faire partir et je vais construire la voie pour la gare grise vu que ça arrive. Donc on va se dépêcher quand même, hein. Voilà. Allez, alors, comment on va s'y prendre? Là, on peut l'envoyer ici, mais on peut pas l'envoyer plus loin apparemment. Attends. Ah, voilà. Parfait ça. Regardez. Eh ben oui, eh ben on est bien là. Nickel. Oh, quel bon tracé, Mastro. Parfait. Bon bah je pense qu'on est pas mal pour l'instant, on commence bien le niveau. Ouais, il est raide ce virage, regardez pour le train. Ah, il est méga raide quoi. Chaud patate tout net. Ok, donc là en tout cas on est bien, on aura le train orange, mais pour l'instant vu qu'on a qu'une voie centrale, on peut pas faire bien autrement. Hop, je l'enverrai ici du coup en direction de la gare grise. Est-ce que t'as autre chose? Alors vous en faites pas, oui, je ne vise pas du tout les objectifs secondaires, hein. C'est pas prévu vu que le niveau a l'air déjà assez compliqué comme ça. On va essayer de finir le niveau déjà en un seul morceau, j'ai envie de dire. Ok, gare jaune, j'envoie. C'est parti mon kiki. J'envoie en direction de la gare jaune. C'est bon, je suis bien au niveau du timing. Tout va bien, pas de problème. Donc la gare jaune, elle est là. Allez, c'est nickel. On aura le train orange à envoyer. Vas-y, envoie tout ça, ma jolie. Bon, pour l'instant, pas de problème. On envoie bien les trains dans la bonne gare. On est content. Voilà. Boum, par contre, il faudra que je tourne là-bas et dans cette direction. C'est très bien.
on aura un autre train orange à envoyer juste après. Et c'est vrai qu'il faut vite envoyer les trains, donc lui on l'a vite envoyé. C'est vrai qu'il faut vite envoyer les trains parce que justement ils perdent en valeur au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que c'est super important. Nouvelle gare en haut. Oh là là, nouvelle gare en haut. Ah, mon dieu. C'est du gris, donc du coup on va aller en haut. Et là on va tenter de relier maintenant qu'on a 23 000 $, donc ça devrait le faire. On va essayer de relier ici. Je pense qu'on gère pas trop mal le niveau là. Je pense qu'on le gère pas trop mal. Oula, juste voir comment est-ce qu'on peut le relier. Ouais, à mon avis, on va devoir le relier comme ça. Il n'y a pas trop de solution à part ça. Donc à mon avis, ouais, on peut le faire comme ça. Là, relier dans ce sens-là. Et là, relier comme ça. À mon avis, ça va être ça. C'est un petit peu bâtard comme tracé. Va pas y avoir trop le choix. Mais au moins comme ça, on a accès à toutes les gares. Très bien. Allez, c'est pas mal. Moi, je pense qu'on est pas trop mal. Allez, je vais envoyer l'orange. C'est parti. Hop, dans cette direction, l'orange. Hein. Tac, 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 tac. Nickel. On va y aller. Logiquement, on est bien là. Ensuite, il y a un train haut. Il y a un train rouge. Il y a un train rouge qui va partir. Donc, il va prendre la voie centrale. Le tracé est pas mal. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Honnêtement. On aura également du vert. Oh, le vert va valoir cher, à mon avis. Hein. Oh, le vert, à mon avis. Regardez donc là. Ah ouais, à ce tracé quand même. Hey, c'est quelque chose. Hein. Donc, le rouge va aller par là. Nickel. Ensuite, le vert. Donc, le vert, je peux pas le faire partir. De toute façon. Le bleu, il y va. Il est où le bleu? Eh? Et une gare bleue. Mais oui, putain, j'ai oublié la gare bleue, j'avais rien envoyé encore. Allez, hop, j'avais rien envoyé en tout cas de la orange à la bleue. Nickel. Et ensuite, on aura du vert ici, qu'on pourra envoyer. Écoutez, je vais commencer à l'envoyer de toute façon, ça va être good. Ah, on a aussi du vert là. Attends, on a aussi du vert que je vais envoyer très rapidement. Ouais, je prends un risque là quand même, je vous avouerai. Vous avouerai, ouais, que je prends un risque dans le sens où... Voilà. Tout droit. Est-ce que ça va passer à votre avis? Moi je pense que ça passe. Franchement j'ai un timing de fou furieux. Le mec qui se fait un plaisir, tu sais. Oh my god. Ok, on aura un train rouge. Bon pour l'instant ça va, on n'est pas trop débordé pour l'instant. Hein. Franchement je m'en démerde pas trop mal. Je m'en dépatouille pas trop mal je trouve sans vouloir me vanter. Ok, le jaune en direction de la jaune. Et ben là je pense que... Ah mais il y a une gare en bas, putain je l'avais pas vu. J'ai pas vu la gare en bas quoi. Eh mec, j'avais pas du tout vu la gare. Je me disais c'était un peu facile. Mort de rire. Attends, je vais relier. On a assez d'argent, 50 000 $. Ah bien. Ah ouais. Donc attends, je relie là. Et je relie là. Donc nickel pour la gare, elle est pas compliquée. Ouais, mais en fait regardez c'est toujours un petit peu les mêmes sortes d'embranchements sur les côtés. C'est marrant ça. Ok donc la rouge. C'est bon tu feras bien le tour. Ouais c'est bon. Il va y aller directos. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Putain, il commence à avoir un peu beaucoup de gars en fait. La rouge qui va y aller, ensuite il y aura la grise. La grise qui est où? Qui est là-bas? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le violet. Eh ben écoute, envoie le violet, mon joli. Tu fais comme ça, c'est tout bon. On envoie le gris également. Qui va aller en haut à droite. J'aime beaucoup ce tracé. Franchement, j'aime beaucoup le niveau. Je trouve qu'il est super classe. Avec un tracé un petit peu différent d'habitude. Et fallait pas se tromper, à mon avis. J'ai pris le bon embranchement dès le début, je pense. Mais c'est vrai que le tracé de base est pas évident. Hein. Faut faire une sorte de... Faut faire deux couilles, en fait, de chaque côté. C'est con à dire, mais c'est vrai. Allez, on va l'envoyer ici. Putain, il vaut 14 000, il est juste là. What the... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Destruction du mur de Berlin. Ça y est. Destruction du mur, les amis. Chaud. Ah, c'est génial. Je kiffe. Franchement, j'adore. Hop, on va le faire comme ça, clac, elle attira directement. Ok, bah on est bien. Ensuite, on a quoi? Putain, il commence à avoir beaucoup de guerre, dis donc. Oh, ok. Ok, je l'envoie le bleu très vite. Allez, on l'envoie. Et on va passer à gauche. Nickel. Oh, il va vite, celui-là. Oh, il est rapide. Oh, ça risque de faire... De faire boom, là. Oh, il m'avait l'air super rapide, dis donc. Il m'avait l'air super méga rapide. On aura du jaune, mais c'est bon, là, on est bien. Logiquement ça doit pas lui rentrer dedans. On aura du jaune à envoyer. Nickel. Franchement tout se passe bien. On n'a pas détruit un seul train. On est content là. Ah ouais on est méga super content. On aura du jaune. Ah ils sont rapides. Les trains sont rapides là. Nouvelle gare en bas du coup. On a une gare rouge également qu'on va envoyer très vite. Allez envoie-moi le train rouge. Effectivement ouais c'est les trains sont plus rapides là on le ressent. Il y a eu une augmentation de la vitesse. En même temps, c'est un peu logique. Oh, le train violet qui va faire mal. Oh, le train violet qui va faire mal. Alors, attends. Le jaune, ok. Faut vite que je change l'aiguillage juste après. Hop. Le rouge. On est bon. Je vais faire quand même les rails pour la gare bleue. Alors, du coup, maintenant qu'on a plus de... Ah, ouais. Du coup... Attends. Attends que le train y aille. Du coup, maintenant qu'on a plus le mur,
On peut, à mon avis, passer du coup entre les trucs. Hein. Fais voir. Ouais, c'est ça. Petit malin. Donc, on va faire comme ça, dans un premier temps. Voilà, on a combien? 93 000. Eh bien, écoutez, on va détruire les bâtiments parce qu'il faut combien? On a 30 000 sur 80 000. On va détruire des... On va détruire, d'accord. Donc, 30 000, 4, 5, 6, 7. Il faut détruire pour 50 000. Eh bien, on peut le faire. Allez, les mecs, est-ce qu'on détruit pour 50 000 pour relier la violette à la bleue? On y va? Allez, on va essayer de détruire pour 50 000. Ça va être juste énorme, ça. Attendez. Laissez-moi voir comment je peux faire. Ah non, mais d'accord, c'est chaud. Wouah, génial. Ah, c'est top. Je vais relier comme ça. On prend un risque ou pas? Allez, mais easy, ma gueule. Galaxou, moins 66 000, c'est pas grave, on a le budget. Bim, et l'objectif. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? C'est n'importe quoi. Alors ça, c'était juste pour l'objectif, hein, je vous le dis. Hein. Et comme ça, si jamais on a un bleu de la violette, ça ira plus vite, ça fera une deuxième ligne. Ça donne un tracé un peu en bordel, mais je m'en fous, c'était pour avoir l'objectif en plus. Qu'est-ce qu'on avait? Mettre en circulation au moins 8 trains supplémentaires. Bon, ça, c'est mort, on n'y arrivera pas. Et construire 125 voies. Ok, ça, on peut le faire aussi, je pense. Ça, on peut le faire. Donc, on était où? Attendez, laissez-moi réfléchir. Le violet, qu'on avait également. On aura du bleu. Ok, le violet, je l'envoie. C'est parti, mon kiki. Hop, c'est super. Franchement, c'est génial. Ok, ensuite, je vais l'envoyer par là. Et ce sera bon au niveau du violet. On aura du bleu envoyé également, qui partira, hop, regardez, en bas à droite, direct. Hey, ça commence à être un peu compliqué le tracé. Ça va le faire. Tira comme ça, clac, tira comme ça. Et boum, tira directement vers la bleue. C'est nickel, on aura du vert aussi. Eh bien, écoutez, franchement, c'est vraiment top, ça, comme circuit. J'ai vraiment pas à dire, j'aime vraiment beaucoup ce tracé. Allez, super. On aura du orange. Envoyer directement. Clac, du orange ici. Le vert à faire partir. Le vert sera dans l'autre direction. Vous savez quoi? On va partir directement en bas. Ce sera mieux. Comme ça, on serre un petit peu de la nouvelle voie. Je pars directement en bas. Wow, 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 wow. Par contre. Wow, je suis allé un peu vite. Oh non, abuse pas. Ah, oh, je suis deg. Je suis dégoûté. Je peux pas... Ah, putain de merde. Bon. Comment je peux me démerder? Comment est-ce que je peux me démerder là? J'en sais rien, donc écoutez, on va le refaire retourner en arrière. Mais pareil, est-ce qu'en arrière on peut le faire Bonne question. Alors attends. Bonne question, bouge pas. On prend du retard du coup là, c'est pas cool là. Est-ce qu'en arrière je peux le ramener? Oh mais quelle chiasse. Je suis dégoûté. Ah non mais là je suis dégoûté, j'ai dégoûté. Alors attendez, vous savez quoi? Tant pis si on a de la perte, c'est pas grave, je vais le faire terminer ici. Tant pis. Hein, c'est pas grave. Allez, on le fait terminer dans la mauvaise gare. Apparemment, ça me pénalise pas trop. Allez, go. Tant pis, on oublie ce qu'on vient de voir. Allez, donc le gris qui va aller dans cette direction. Le gris qui sera bon. On va reprendre un petit peu parce que là, du coup, j'ai voulu faire le malin. Et au final, ça me pénalise un petit peu. Tant pis pour lui, il part dans la mauvaise gare. Ah, mais non, mais pourquoi tu repars là, mec? Mais non, mais tu vas toujours repartir dans la mauvaise gare. Cherche pas. Oh putain! D'où les deux trains gris là Ah, ils sont à la même vitesse. Je crois vraiment qu'ils sont à la même vitesse. C'est super tendax. Ok, mais du coup là je peux vraiment pas rejoindre ça. Est-ce que je peux l'amener là? Eh non, mais vraiment pas. Hein. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas le construire. Non, mais y a vraiment pas moyen de relier ça. À part si j'aurais fait un truc comme ça. Attends. J'aurais pu faire un truc... Attends. Bon, tu me saoules un peu parce que... Ça... On n'aurait pas pu le relier? Regardez. Et si? Ça, on peut le relier? Eh ouais? Et là, par contre, j'ai pas eu le temps de changer l'aiguillage. Pas super. Vas-y, retour en arrière. Oh putain, les deux trains gris qui se chevauchent, quoi. Ah, attendez. Ah, mais là, faut que je puisse aller également là-bas. Ah, mais d'accord, parce que c'est comme ça, ok. Donc, en gros, non, tu fais comme ça. Style. Et voilà. Moins 49 000, voilà, attention au budget, je peux plus. Ah, mais ce train, il m'emmerde, hein. Je vous dis franchement, là, depuis tout à l'heure, je suis dans la merde. Ce train, il me casse les burnes. Attendez, le rouge. Allez, faut envoyer parce que là, de toute façon, après, on sort plus. Je crois que j'ai été trop vite en besogne. Faut pas non plus croire que tout est gagné, hein. Alors, attendez. Le bleu. On va faire partir. Allez, go, go, go.
Le bleu qui part également. Ah! Putain, j'ai failli oublier. La vache. Ce sera bon pour le bleu. Par contre, ouais, celui-là, il m'embête. Parce que, du coup, comment le faire partir, le vert? Ah, il m'emmerde, celui-là. Le vert, comment le faire partir? Le vert, je sais pas comment l'amener à la gare. Parce qu'apparemment, il refuse qu'on... Enfin, voilà, vous comprenez ce que je veux dire, quoi. Alors, admettons. Eh non, mais je peux vraiment pas, hein. Par où l'amener? Non, mais vraiment, j'en sais rien du tout, là. Ou alors, tu coupes par là. Non, non, je peux vraiment pas passer par là, c'est sûr. Ah, je suis dans la merde, hein. Je suis dans la merde! Du coup, bah, celui-là, vous savez quoi? On va le faire détruire, je pense. Bah ouais, je pense qu'on va le faire détruire complètement, quoi. Tant pis pour lui, on va supprimer un train, c'est pas grave. Allez, le jaune. On envoie le jaune. C'est du complexité, les gars. De fou furieux. Ok, ensuite, du vert. Écoutez, vous savez quoi? On va le faire exploser. Bah non, c'est bon qu'on peut l'envoyer, ça. On peut l'envoyer, c'est bon. J'ai rien dit. Ça, on l'avait dit. On va l'envoyer directement dans le vert. On aura du bleu. Bah, tu sais quoi? Fais partir le bleu, on va faire exploser les deux trains ensemble. Voilà, allez, on joue, et voilà! Bim! Deux trains explosés, très bien. Nickel, combien de voies il faut construire? 125? Hop, on a combien du coup? 105? Faut voir aussi. Voilà, faut voir aussi quand est la fin, en fait. Qu'on construise bien les trucs avant. Peut-être que là, c'est le dernier train. Je sais pas. À voir si c'est le dernier. Perso, je pense que c'est le dernier, donc vous savez quoi? On va construire des voies dans le vent. On va tenter un truc. Attends, où c'est que je peux les construire les voies? Par exemple là? Non, je vais en construire là, tu sais quoi? Regarde, hop, je construis des voies. On l'amène là, hop, style, on fait ça, je sais à combien? 120, il manque plus que 5 les mecs. 5 voies, parce que là, bon, c'est un objectif facile, hein. Voilà, hop, 123, je l'ai fait n'importe où, hein. Vous en faites pas, c'est normal, c'est tout à fait prévu. Et voilà, on a au moins 2 objectifs sur 3. On est content, hein? Nickel. Donc là, l'orange va le relier directement à la orange. Et logiquement, ce sera bon. Bon, j'ai fait des voies pour rien, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour réussir l'objectif. Voilà. Yes. C'était top. Je pense que c'est la fin. Oh, vous avez vu ce tracé, quoi, mon dieu. C'est le bordel. Et donc voilà, on a réussi quand même 2 objectifs sur 3. Bon, à la fin, mais quand même. Et donc voilà, on a au moins détruit 80 000 $ d'objets. On était bon. En plus, on a détruit 2 trains sur la fin qui me gênaient. Voilà, j'étais un petit peu embêté. Enfin bref, bah écoutez, c'est plutôt bien terminé. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, les amis, sur ce niveau aujourd'hui. C'était vraiment très très cool. Et on a senti vraiment une augmentation de la difficulté, je ne sais pas vous, on a eu les 2, et oui, alors pas les 3, vu que oui, pour tout réussir, il faut avoir les 3, ça veut dire que vous avez réussi tous les objectifs secondaires, j'en ai réussi 2 sur 3, c'est déjà bien. Voilà, bah écoutez, la prochaine fois on se retrouvera pour le 5ème épisode sur le DLC Allemagne, je vous rappelle qu'il y a 6 épisodes dans ce DLC, regardez, donc 6 niveaux, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais de gros 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 bisous, portez-vous bien, vive les jeux vidéo, et à la prochaine, salut tout le monde.